I get asked a lot. What was one of your biggest like failures in your own divorce that you wish other people would know? And it's very easy. I spent months, and I mean months, worrying about saying the words, I want a divorce. I worried how he was going to take it. I worried how he was going to feel. I was worried about his reaction, his immediate reaction only. And I worked so hard at having the courage to say, I want a divorce. We need to separate. I spent so much time and energy on that. What I did not spend a lot of time and energy on was preparing myself for what was going to happen the next day and the next day and the next day. I did not think past that moment. I said those words without being prepared. I said those words without being educated. I said those words without having a fucking plan B through Z. I only thought about just saying the words, and that's it. That was my favorite. Donc là, on vient de comprendre. On vient de comprendre pourquoi la majorité des femmes finissent dans la street éternelle. Elles prennent des grandes décisions, des décisions de changement de vie. Elles divorcent sans penser au après, sans penser aux conséquences. C'est un peu comme ceux qui n'ont pas encore pris mon étude de cas, où je montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. En gros, c'est une formation où je te montre comment créer ton business en ligne avec l'intelligence artificielle. C'est complètement gratuit. Avant de créer un hack, regarde quand même. Donc, clique tout de suite. Je suis quand même de la stupéfaction. Tu prends une décision aussi grande, sans plan, sans penser au après, sans faire le pour et le contre, sans étudier les probabilités de comment ça va se passer derrière. Et surtout les probabilités de est-ce que ça va bien se passer? Enfin, c'est la base quoi. Faut prendre des. Surtout quand tu prends des décisions, faut le minimum. Je dis pas que tout le monde est super fort. Il y a des experts en prise de décision. Mais quand même, même si t'as pas lu un livre, quand même le pour et le contre. Enfin, un plan pour après. Tu vois, enfin. Surtout que normalement, bah, tu entends pas parce qu'elles consomment pas ce genre de vidéos. Mais regarde quand même si t'as pas des copines qui sont dans la street, comment ça se passe? J'ai l'impression que les hommes sont plus conscients lorsqu'il s'agit de prendre ce genre de décision. Ils vont se dire « Ah, c'est relou, si je divorce, il va falloir que je retourne dans le game, etc. » Alors qu'en vérité, en termes de probabilité, le gars, s'il retourne dans le game, oui, ça va être relou parce qu'il faut qu'il se remette dedans, mais il aura plus de probabilité de retrouver quelqu'un derrière. Il aura plus de probabilité de se remettre en couple et peut-être avec quelqu'un même de mieux. Et là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi ?» En fait, c'est juste mathématique. Quand tu comprends le marché du célibat, comment ça fonctionne, l'homme, il vieillit comme le bon vin. La femme, ce n'est pas le cas. Je n'y suis pour rien. C'est pas moi qui fixe les règles. Ça sert à rien de t'énerver dans les commentaires, Géraldine. Alors que la femme, généralement, son ex, ça veut dire qu'elle l'a choisi quand elle était à son pic. Et si elle l'a choisi quand elle était à son pic, c'est qu'elle a pris le meilleur choix qu'elle pouvait avoir à ce moment-là. Qui veut dire qu'aujourd'hui, elle va vouloir un gars qui est mieux que son gars, parce que c'est pour ça qu'elle divorce. Elle veut mieux, alors qu'elle n'est plus à son pic. Donc comment on fait? Résultante, street éternelle. Hey, 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 peace, what's up? All right, I divorced my husband. Why did I divorce my husband? I divorced my husband because I was making a certain amount of money. I divorced my husband because I thought I didn't need him anymore. I divorced my husband because I had this senior position at work and thought I held the same position at home. I divorced my husband because I thought I was better than him because I had my degree now. I divorced my husband because I thought a successful marriage meant I was here and he was down here. That is not success. That's fucking sickness. I found myself divorced and out there looking for love in all the wrong places. Fucking this one and that one and that one and that one and this one and that one. And my body count going up and my value going down. I'm just gonna call it like a TI is. All the while, my husband done found somebody else building a relationship and building a life with them. I should have stayed married to me. Sa conclusion est d'une grande sagesse. Ça a coupé un petit peu, mais en gros, elle a dit « J'aurais dû rester mariée avec mon mari. » Et je pense qu'il y a énormément de femmes divorcées qui arrivent à la même conclusion. Donc, je ne sais pas d'où vient cette croyance qui les pousse à se dire « Il n'y a plus de Nutella, je me barre. » Parce que oui, au début, lorsque tu sors du divorce, tout est beau. Enfin, au début, ça paraît beau puisque tu as l'attention des hommes. Donc, tu es sur le marché, tu as l'attention des hommes. C'est normal. Ils veulent tous coucher avec toi. Ça va pas changer. Donc au début, comme elle a dit, tu couches avec un tel, tu couches avec un tel, ton body count, il s'élève et ta valeur, elle descend.
et ta valeur descend en doublé. Ça veut dire parce que ton body count il s'élève et parce que le temps il passe. Donc elle a super bien résumé la situation. Parce que oui, finalement, à force d'y réfléchir, tu te dis mais en fait j'étais bien là où j'étais en fait. Et qu'est-ce qui m'a pris en fait? Comme elle a dit, ça s'appelle la folie, une maladie. D'avoir pensé les raisons qu'elle a citées, elle a dit j'étais malade, c'est de la folie. C'est une maladie ça, de penser comme ça. Mais certains mouvements aiment pousser ce genre d'histoire, hein, de narrative. Et j'ai l'impression, hein, ça peut me tromper, j'ai l'impression que tous ceux qui embrassent cette narrative, ça finit toujours mal. Bien sûr que le gars il a refait sa vie, si tu lâches ton gars, je sais pas, le pic de l'homme il est à 35. Le pic de l'homme il est à 35 et je peux même te dire qu'il va jusqu'à 50. Donc si jamais tu as laissé ton gars là, il a cet âge là à peu près, il a un minimum salaire et d'expérience, il s'est entretenu un minimum, mais bien sûr qu'il va refaire sa vie. Parce que le mariage a été mis en place pour moi, il a été mis en place pour pouvoir protéger la femme. Quand elle a son pic, elle peut choisir le meilleur homme qu'elle veut, comme ça elle reste mariée avec lui. Lui, il la protège financièrement, physiquement, émotionnellement, de toute façon c'est en lui. L'homme, c'est en lui, il a un devoir, il va toujours vouloir protéger la femme, il va toujours vouloir l'aider, ça marche. T'es une femme, t'es dans la rue, il y a un problème, il y a un homme qui va s'arrêter. T'es un homme, t'es dans la rue, t'as un problème, personne ne va s'arrêter. Ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. J'avais entendu une femme qui disait « Ouais, si je suis avec un gars et qu'il ne veut pas me payer au restaurant, j'irai voir un autre homme pour qu'il me paye. » Et tu sais quoi? Je suis presque sûr que l'autre gars, il y a de grandes chances qu'il paye le restaurant. C'est pour te dire que c'est dans l'homme en fait. Alors à part les vieux gars, parce qu'il y a Géraldine qui a dit « Non, pas tous hein. !» Bah oui, mais après, à toi de choisir le bon. C'est-à-dire c'est le seul job que tu as à faire. Enfin, choisis le bon homme. Je te dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est le seul truc que tu as à faire. Choisis le bon homme. Faut que tu aies le discernement pour pouvoir savoir qui est le bon ou pas. Qui est là juste pour passer un bon moment avec toi, et rien de plus, et qui est là pour pouvoir avoir une relation long terme. Mais aujourd'hui, un certain mouvement hein, a fait croire aux femmes que non, elles ont pas besoin des hommes, à tel point où que 80% à 90% des femmes initient les divorces. C'est juste incroyable. C'est comme si tout a été fait pour que ça se passe bien, qu'elles soient protégées, etc. Non, elles divorcent leur gars, voilà, quand elles sont plus à leur pic et quand leur gars est à son pic. Donc le truc... Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches en fait? Une sorte de sursaut d'orgueil, « Ah, j'ai pas besoin de toi !» ou je sais pas. « Ah, je pense que non, mieux, il n'y a plus de Nutella !» Je cherchais un gars qui, au moins, il sait, il va à l'épicerie, il prend le Nutella, il en a marre. Maintenant, moi, je suis pas bien, je suis pas venu sur cette terre pour souffrir. Pour moi, ce genre de femme vivent dans l'inconscience. Enfin, je peux me tromper encore, hein. Mais, pour moi, vivre dans l'inconscience. Même elle, elle a dit, c'est une maladie. L'autre, elle a dit, maladie. Toutes les raisons qui sonnent super bien sur TikTok, ouais, c'est pour ça que je suis parti, parce que là, moi, franchement, je veux un gars mieux, parce que là, j'ai un certain standard maintenant. Elle a dit c'est de la folie, qu'est-ce qui se passe? Il y en a encore beaucoup qui pensent comme ça. En tout cas, dédicace à elle, c'est au moins rendu compte de la situation. Ben, un peu tard, c'est dommage. Hein. C'est quand même mieux d'apprendre des expériences des autres que de tester soi-même. Ça, c'est un peu relou. Parce que là, la vie, quand elle te gifle, vaut mieux que tu vois la vie gifler un gars, tu vois la vie qui arrive. Qu'est-ce qu'on t'a dit, Jérôme? Bah, j'ai ravi, là non! Mais oui, mais on t'avait prévenu, hein? Donc, quand t'es là, tout le monde, tu vois. Ah oui, c'est... Ok, bon ben, moi j'irai pas dans la street, ça va aller. Hein? Non? Elle s'est fait gifler, Géraldine? Peut-être moi non? Allez, allons-y! Bah! Pourquoi? J'aurais dû rester! Ah ouais, thérapie de couple, tu te débrouilles, tu t'organises, vous discutez. Ouais, mais quand il te bat, il te. Écoute, quand il te bat, tu pars, Géraldine. Il y a toujours un commentaire comme ça. Ouais, mais quand il te bat. C'est pas pour ça, c'est parce qu'il n'y a plus de nuitée là. Mais dans son cas, quand c'est pas toi qui as pris la décision, ça va encore. Tu te dis, je suis dans la street éternelle, c'est pas de ma faute, c'est lui qui a divorcé. Bon, mais quand c'est toi qui te retrouves dans la street éternelle parce que, genre, t'as pris la décision de divorcer, là c'est dur. Là c'est dur. Parce que moi, je connais qui sont restés, qui restent seuls à vraiment à vie. I literally just got divorced. I'm done. I don't ever have to see him again. That was so hard. That was so painful. No. I couldn't look at him. I couldn't say hi. I couldn't say bye. I just walked away.
world. The person I loved most in this entire world, you know? That was it. That's how the story ends. I loved him with everything that I was. Now it's done. Oh God, I'm fucking broken, man. I fucking hurt. I kept it together until the end. But I did that shit. I did that alone. I got divorced alone. I did it myself. I did all the work. I did all the research. Oh, I can't stop crying. Oh my God. I did all the research. I did all the work. I did all the paperwork. I did all the legal documents. I fucking did it. He was there when I arrived. Like, he was there early. So I had to, like, walk up to him. He said hi and just in the, like, most shameful tone. I was shaking for a while. And then eventually, like, calmed down. And I calmed down because he was the person that I felt safest with. I don't know, my brain. I guess that was, like, my coping mechanism. I don't know. But I stopped shaking, and then we signed all the paperwork and went in, and it was relatively fast. I mean, there were a few things that we were missing, like name and address for, so we filled that out together. We, like, stepped aside and filled it out together, and then we went back to the window and gave them all the documents that are... And I stayed strong the entire time. Oh man, I almost crashed. There's a lot going on. But I'm gonna go to the pier. I'm just gonna sit at the beach and take a few deep breaths. That was so hard and sad. Donc en gros, si je comprends bien Géraldine, t'étais en mode « Bon, c'est bon, je vais divorcer maintenant. » Et lui, il a dû dire « Ouais, mais non, mais enfin, j'aimerais bien quand même qu'on reste ensemble, j'ai des sentiments, etc. »« Non, mais je suis pas heureuse avec toi, hein. » Lui, il a dû dire « Bon, bah ok, bah, viens, on signe les papiers alors. »« Je ne peux pas croire qu'il ne fasse ça, j'arrive pas à y croire. » On comprend pas Géraldine. Il était tout pour toi, j'étais trop bien avec lui, enfin, alors pourquoi tu divorces en fait? Après tu regrettes, t'es là, tu pleures dans ta voiture, mais c'est juste le début. T'as même pas encore connu ce que ta copine précédente, elle a connu. Ou c'est tout simplement que la street t'a appelé et t'as pas su résister, un peu comme les sirènes. La street t'a appelé, ah, attention, l'attention, ah, l'attention des autres hommes, ah, t'es parti. Bonne chance. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je vais à ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens, puis trier par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues, donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois. Donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million d'euros de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.